Super Yellow, Super Yellow, il va très vite à vélo. Votre mission aujourd'hui, Super Yellow, passer minuit au pic du midi. Voilà, merci Mister G. J'ai toujours rêvé de dormir dans ce vaisseau des étoiles. 130 ans que l'observatoire du pic du midi existe et jamais il n'avait rencontré Super Yellow. Hey, les tétales qui arrivent, t'es vraiment dans la bourre, hein? Bon, Super Yellow, donc on part de 1780 mètres d'altitude, ça c'est l'Angie. On va arriver au pic à 2856 mètres. En un quart d'heure, tu montes de 1100 mètres. Et on ne voit plus rien. Enlève-moi ces nuages. Pour vous, je vais le faire. Rien que pour moi. Ça a marché. Bah, tu vois. Calme-toi, Super Yellow, calme-toi. Plus de souffle, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, ici on évite de courir, 30% d'oxygène en moins. 30% d'oxygène 30%. En moins? Ah mais au moins on a un beau paysage. Et c'est magnifique, c'est l'un des seuls sommets qui nous permet de voir un peu plus de 300 km de chaîne. 300 km? Oui, d'est en ouest, tu vois notamment tous les plus grands sommets de la chaîne pyrénéenne, qu'ils soient espagnols ou français. Tu vois que c'est beau Super Yellow, ok? Mais t'es où? Je cherche Super Yellow. Tu l'aurais pas vu par hasard? Oui, je l'ai vu dernièrement, une tournée autour de la grande antenne de Pic du Midi. Je viens de le voir, il est seulement entre les 7 coupoles d'observation des pics. On est autour de la coupole du coronographe. Bonjour. Bonjour. Je suis bien au coronographe? Oui, c'est ici le coronographe du Pic du Midi. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un instrument avec une lunette qui permet d'occulter la surface du soleil et de reproduire artificiellement une éclipse. Mais alors à quoi ça sert? Eh bien ça permet en occultant le disque du soleil d'observer la couronne solaire. Et ça donne ça à des protubérances qui peuvent encore grossir. Je te déconseille de t'approcher de trop près du soleil, tu pourrais t'y brûler les ailes. Et la nuit venue, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de risques de se brûler la canne. Et surprise, ils sont encore nombreux à observer le ciel. Mais qui sont ces gens? Alors tu sais, le pic est un hôtel d'altitude depuis 2006. Donc on permet à 19 personnes de passer la nuit au pic et de pouvoir notamment, après le coucher du soleil, de pouvoir faire de l'observation. 19 personnes privilégiées et une de plus aujourd'hui. Mais la nuit de Super Yellow risque d'être agitée. Dans son rêve, il fait bouger le plus grand télescope de France, 2 mètres de diamètre pour observer les galaxies lointaines. Si la Terre était plate, ce télescope pourrait lire l'heure sur les aiguilles de Big Ben. Puis c'est le cauchemar. Super Yellow se perd dans les 5 km de couloir de l'observatoire du Pic du Midi. Mais heureusement, à 6h du matin, tout va mieux. Alors tu vois Super Yellow, t'as fait des cauchemars cette nuit. Eh bien, en compensation, moi, ce matin, je t'offre le lever du soleil. Oh, voilà, ça me fait plaisir. En plus, il se lève en direction de Toulouse. Bon, il va te réchauffer, ce soleil. Il fait 2 degrés. 2 degrés ici, c'est vrai que ça fait du bien. Regarde, Super Yellow est là. Il va tout seul, ce vélo.